Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soikulo Mike et dans cette vidéo je vais vous présenter un glitch sur la map Fire by the Z qui va vous rendre invincible contre tous les zombies. Alors pour réaliser ce glitch, vous allez devoir vous rendre à la caserne, comme vous pouvez le voir dans le gameplay. À cet endroit là, vous allez devoir monter sur la caserne dans le coin. Ensuite vous allez devoir vous mettre bien au bord du mur, ensuite vous allez devoir sprinter sur une courte distance et sauter. Si vous vous faites éjecter sur la droite, ça veut dire que vous n'êtes pas assez au bord du mur. Donc il faudra bien se placer au bord du mur. Si vous avancez et que vous arrivez dans une sorte de ledge, donc c'est un petit endroit où votre personnage bug, bah là ça veut dire que vous avez déjà réussi à bien sauter et à bien vous mettre au bord du mur. Alors cependant c'est pas tout, parce que quand vous êtes dans le ledge, il va falloir avancer vers l'avant. Donc continuez à maintenir votre joystick vers l'avant et lâchez-le de temps en temps pour voir si vos pieds flottent. Si vos pieds flottent, vous ne touchez plus à l'analogue. Si vos pieds ne flottent pas, ben vous insistez et vous continuez d'avancer. Alors le glitch en soi n'est pas très compliqué à réaliser. C'est juste qu'il faut un petit coup de main, donc il va falloir le faire quelques fois, mais après, franchement, il n'est pas très compliqué à faire. Alors ce qui est bien avec ce glitch, c'est que vous êtes invincible contre tous les zombies, que ce soit les zombies imitateurs, les zombies normaux ou même les massacreurs. Donc rien ne pourra vous tuer. Et en plus de ça, si vous arrivez à bien faire le glitch, vous gardez un zombie en fin de manche, vous descendez, vous allez chercher la caisse de munitions qui se trouve juste à côté, et ensuite vous remontez tranquillement. Et comme ça, vous allez pouvoir faire des manches en illimité, débloquer des cristaux en illimité toutes les 5 manches, et gagner des XP en illimité les potos. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos, c'était Soikulomec et ciao. Peace.